Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On est en Eka Xel Eni et mon Xelor il est R. Voilà, on va tester un nouvel élément. Bon, j'ai regardé un petit peu les sorts, le panel stratégique qu'on a. Je suis pas vraiment convaincu, mais bon, je me suis dit, allez, j'ai des stuff R de toute façon, ça coûte pas grand chose de tester, ça fera un petit peu de variété. En face, on a Ossa Steamer Upper Mage, compo assez original. Je sais que les uppers jouent beaucoup en retrait PA. Ok, quand je vois le mode, ça doit être du full rocks. Ok, donc a priori ça va cogner très très fort, il va falloir que je fasse gaffe à ça. Hop, on va faire ça ici, on va mettre... Ah, il manque un poil de retrait, non, ça ira, hop. Flou contre... fuite, et on n'est pas trop mal. Hop, là, voilà, pour le premier tour du Xel que j'essaie de faire assez vite pour gagner des secondes au tour suivant. Ouais, donc les Upper Mages, en fait, on sait pas trop si c'est du retrait ou si c'est un truc qui va taper, vraiment taper ultra fort. De type mono-élément, enfin voilà, on voit beaucoup de choses différentes sur les uppers, c'est pas facile d'anticiper les modes, et là comme j'avais envie de taper, j'ai pas mis d'esquive PA plus que ça, je suis à 58 sur les K-flips, j'espère que ça va faire l'affaire. L'Ossa a l'air 6000 points de vie, c'est bizarre les raids en face. Bon, on va voir. Sur les K, donc je me booste, hop. Il y a un peu plus de portée par contre que sur d'autres éléments, sur un mode R, ça c'est pas mal. Je vais me faire un odorat, je prends que les K dedans volontairement. Et je pourrais. Je réfléchis si je vais là. Il m'en restera 3 PM derrière. C'est pas trop mal. Hop. Voilà, comme ça, là, lui, il peut aller taper 2 personnes. Ce qui me fait mes 300 de puissance pour le tour 2 sur les K-flips. Et on va voir si on peut ramener quelqu'un. Je fais aussi un petit commentaire par rapport au fait que j'ai vu que certains abonnés n'ont pas compris en fait le. Que je joue des compos avec du gros rocks, avec voilà, du boost PA, potentiellement une cop et des gros dégâts tour 2, et que je dise que je trouve que dans cette méta, il y a trop de rocks, cette compo basée sur des one shots. C'est la méta que je critique, hein, c'est pas les joueurs qui le jouent. Je trouve que c'est dommage que le jeu soit autant aussi porté là-dessus sur cette version, mais ça veut pas dire que je vais pas jouer les choses qui sont puissantes dans la méta. Voilà, donc je déplore que la méta nous encourage à faire ça, mais c'est pas pour autant que je vais pas le faire. Hop, donc là il m'a mis un petit bouffe-tout qui m'embête, c'est bien joué de sa part. Et je vais pas avoir beaucoup d'autre choix que de le repousser à fond. Donc on est parti, je vais faire même une libé carrément, hop. Je vais laisser les nids ici, assez rapprochés quand même. Parce que l'upper mage peut faire des copes aussi, hein, faut que je fasse gaffe à ça. Je pense que je vais partir sur l'upper parce que j'ai un peu peur de son mode là. Je regarde aussi au niveau des res R et des ricks. Oh, le steamer c'est quand même le plus fragile. Et éventuellement même taper le ça peut être jouable. Bon, j'ai quelques dégâts de zone avec le K, enfin juste le réflexe. J'ai hésité à prendre la variante, j'étais parti sur la variante à la base, la fanfaronnade. Mais c'est pas évident. En fait, ce qui est chiant avec le mode R, c'est que là j'ai un mode R dégâts distance et que tous les sorts ils ont un coût pair en PA. Donc c'est pas évident d'optimiser ses tours, de faire un truc bien. Ouais, effectivement, ça doit être un upper peut-être full intel. Alors qu'est-ce qu'il nous fait? Ok, les petits dégâts jusque-là ça va à peu près. Je pense que je vais venir chercher. Ah, il s'est placé d'une manière qui m'arrange pas trop. Ouais, d'une manière qui m'arrange pas du tout. Je vais faire un rollback, j'ai pas trop le choix. Je vais même faire une synchro, ça pourra servir. Allez, synchro rollback, on va essayer de faire ça vite. Hop, et là, il va le... Il... Merde, du coup, je me boucle le tacle. Bon, c'est pas grave, hop. Ah putain, je peux pas me détacler. Ok, infernal. Ah, chier, ce que j'ai fait. Je voulais mettre une gelure sur l'upper pour le ramener avec le cadran. Et là, avec les bouffe-tout, les trucs qui sont dans mes pattes, j'ai pas géré le truc. Bon, bah, ça commence bien, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Il pète mon chaton. Bon, du coup, la bonne nouvelle, c'est que je peux quand même, a priori, aller chercher peut-être les réflexes en zone là et prendre Batiscaf plus Steamer dedans. Ouais, je vais faire ça. Je peux même me booster. Rugissement. On va faire un esprit félin pour se balader comme ça. Et là, ah, y a une belle portée quand même. Ça, c'est assez appréciable. Hop. Et là, en termes de ligne de vue, je suis un tout petit peu embêté quand même. Je vais faire ça et je vais mettre double bond du félin sur le Xel. Hop. Voilà, les toupées hein, qui ont une belle portée, ça, c'est quand même pas mal. Là, idéalement, j'aurais préféré taper l'Ossa. J'aurais pu les faire sur moi, peut-être les bons du félin, et aller chercher la ligne de vue sur l'Ossa, plus en m'éloignant à droite, là. Bon. Relais, il l'a fait sur qui le relais?
sur l'upper tower. On voit rien du tout avec leur mode tactique là, c'est pas du tout optimisé en termes de visibilité. Fouet, Tuffy Albinos. Ok, il me fait encore des bouffetous. Va falloir que je les pète ces bouffetous parce que je m'en sortirai jamais. Bon, les bouffetous noirs ça va, c'est ceux qui ont le moins de reste feu. Mais malgré ça, c'est quand même assez compliqué. Il y a aussi le gardien élémentaire là. S'il reste là à la limite, ouais, il est taclé. Je vais peut-être aller chercher. Il va falloir que je pète les invoques, que je fasse un peu de ménage parce que sinon ça va jamais le faire. Donc sélectif comme ça. En plus, le Xal il prend des dégâts quand même, l'air de rien. Là ça se cumule. Je le pète ça comme ça. Ouais. Je vais tout péter parce que sinon ça n'ira jamais. Est-ce que je peux mettre peut-être un petit. Tac-tac. Ah, il me manque une case, c'est dommage. Je vais donc mettre un boost PM sur les cas, ça pourra servir. Et une maîtrise d'armes. Hop, bon, il n'y a pas trop d'héros en face, c'est juste le permage qui peut éroder. D'ailleurs, je vais peut-être vous faire un upper haut. Je trouve que c'est assez intéressant les mécaniques qu'il y a derrière. Là, donc il cale ses runes, c'est peut-être un upper dopu. Ou un upper mono-élément qui va me mettre des gros dégâts en corps à corps. Non, c'est dopu. C'est dopu à la répulsion runique. Bon, on connaît, hein. Ça met du 2000, 3000, voire 4000 assez facilement pour 2-3 PA. C'est bizarre d'ailleurs qu'ils aient pas. Ah bah c'est bien, ils pètent son bouffe tout, c'est nickel. C'est bizarre qu'ils aient pas nerf ça avec le. En même temps qu'ils ont nerf tous les trucs qui étaient à un nombre de déclenchements par tour prédéfini. Ça aurait été cohérent, je trouve, qu'ils le nerfent. Donc lui, bon, il peut rester là-haut. On va venir chercher un téléfrag comme ça. Du petit retrait, comme ceci. On va également mettre du retrait sur le ça là-haut. Hop, tiens, puis je pète sa manifestation, ça c'est pas trop mal. Est-ce que je ramène quelqu'un? Non, je vais y aller simplement sur du spam débile retrait comme ça marche très bien. De toute façon, si c'est une compo tellement agressive en face, il faut que je temporise avec du retrait, sinon je m'en sortirai jamais. Je lui mets pas grand chose comme retrait à la peur, j'ai l'impression, malgré ses 54 d'esquive là. Je reprends un petit peu. Alors il me fait des malus de dégâts, là il va essayer de me tacler avec le chalutier, bon j'ai le. Ah j'allais dire j'ai le bon du félin, mais non, j'ai. Enfin l'entrechat, mais là j'ai pris la variante bon du félin. Même je suis parti du principe que sur un mode R c'était à peu près gérable. Bon, il y a la gardienne qui remet un petit peu de soin. Moi, je vais devoir me faire ça. Ah bah, ça m'arrange pas que Lenny soit là. Oh, quoique. Je peux faire un esprit félin ici. C'est pas trop mal. L'upper, il est érodé ou pas? Il est pas héros. Il est pas héros. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Tromperie, c'est à 4 PA, là. Ou rien, 2 PA. Ouais, bon, bah, je vais simplement lui faire double réflexe. Et une petite flamiche. Et je vais fuir. Hop. Et Lenny, il s'est fait découper un peu quand même. Hein. Il s'est fait découper. Bon, là, il va pouvoir mettre un petit mot de frayeur sur le chalutier. On va aller chercher éventuellement un corrompu sur l'upper mage. Et puis surtout de la régène. Hein. Là, contre des compos comme ça qui sont basés sur du one shot, il faut être solide. Et puis, il faut pas négliger les points de vie. Vraiment essayer de se la mettre à chaque tour. Alors, il va me bloquer certainement avec le bouffetou qui va laisser ici. C'est bien joué. Ah non, d'accord. Il fait comme ça. Je me serais attendu à ce qu'il reste derrière le chalutier, ce qui m'aurait un peu plus embêté, parce que là, du coup, bah, j'ai juste à y aller alors, sur une livée ou des mots de frayeur. De choisir la livée pour bien repousser le bouffetou. Hop. J'ai pas d'héros, hein, j'ai dit, donc ça, c'est à peu près une bonne nouvelle. Je vais venir ici, chercher les sélectifs comme ça. Je vais me faire également un mot de régène. Je pense que je vais lâcher la prêve, ouais. C'est toujours intéressant. DPM sur les cas pour qu'ils puissent aller taper. Je vais me cacher ici. Bon, du coup, je vais être taclé par le chalutier, mais je suis pas trop inquiet. Hein. Je pense que je pourrais leur pousser. Ça m'étonnerait qu'il y ait une entité qui vienne me gêner. Avec le Xel, j'ai peut-être une synchro que je vais éventuellement pouvoir songer à faire péter. Puis là, la manière dont je me suis placé, c'est un peu compliqué pour lui pour qu'il me mette des deux poux. Alors, il y va sur plutôt du retrait PA. D'accord, donc vraiment un upper qui se base sur une compo one shot et puis qui est un peu démuni quand ça passe pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faudrait que je remette mon cadran quelque part, moi. Lenny, il est en téléfrag, ouais. Et puis. Je vais faire ça. Hop, j'aimerais bien remettre le téléfrag sur mon EK. Hop là. Et lui, bon, on va simplement le ramener comme ça. Hop. Est-ce que je vais embêter tout le monde là? J'aurais pas les PA pour me barrer trop loin, on va juste faire ça. Hop.
Voilà, comme ça, mais Eka et Eni reprennent le boost PA en face. Bon, ils sont un peu isolés, ils sont un petit peu embêtés, je pense. Là, le steamer est un petit peu au bout du monde. Bon, il est safe, hein, il n'y a pas trop de soucis, je lui ai pas focus du coup. Mais bon. Alors, par contre, moi, j'ai du mal à mettre un jeu en place là. On a vu que j'étais plutôt sur la défensive. C'est vraiment très agressif ce qu'il y a en face, donc je galère un petit peu. Je suis plus dans une optique de protéger mes persos que de faire quelque chose de constructif. J'aurais peut-être pu faire péter la synchro ici avec le Xel, ça aurait en plus mis des dégâts chez luthier, ce qui aurait été pratique. Bon, c'est pas grave. Hop! Donc là, l'upper cette fois-ci, il a l'héro. Qu'est-ce qu'on fait sur un upper qui a l'héro? Est-ce que je peux aller prendre du boost de puissance quelque part? Ouais, je peux y aller ici. Hop! Et ensuite, on va y aller sur Toupé. Ouais, Toupé. Par contre, je lui tape vraiment pas grand chose, je trouve. Hein. Je vais remettre un coup de réflexe, je vais lui faire la griffe là. Et je vais me barrer parce que, avec les cas, je suis quand même un peu plus fragile qu'avec les autres. Comment ça se fait que je lui fais aussi peu mal? Ouais, 43% res air, 78 récris. Quand même, je trouve que je tape pas grand chose. Hein. Peut-être qu'il est aussi en mode de résistance-distance sur son bouclier, je pense que c'est ça. L'Ossa qui continue à placer ses invoques, ou ça commence à devenir inquiétant là, le bouffe-tout. Il va falloir que j'aille chercher les zones. Alors là, mon ami, pour le coup, il est bien taclé, il vient bloquer. Je pensais pas qu'il allait chercher la proximité à ce point. Ok. C'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout là, franchement. On va voir ce qu'on peut faire. Bon, heureusement, les bouffe-tous sont un petit peu isolés là, ils vont pas pouvoir placer grand-chose. 4 PM. Ouais, non, c'était le. Ok, il attire la synchro, il lui met 3, la vache, les dégâts. Il va falloir que je le pète le bouffe-tout parce que sinon, je vais jamais le gérer, hein. Je vais devoir remettre donc stimulant sur mon Eka Flip. Là, je vais y aller comme ça peut-être. Est-ce qu'il a besoin de soin le Xel? Pas tant que ça. Je vais plutôt y aller sur du soin. Comme ça, je tape aussi le Tofu Albinos. Hein. Moins je le laisse poser ses invoques, mieux c'est pour moi. Et je peux pas chercher le bouffe tout là-haut. Ça m'embête un petit peu. Là, concrètement. Là, je tape le chalutier. Chalutier, c'est vraiment génial en termes d'entrave. Ah, je me suis d'ailleurs placé comme une merde. Hein. J'aurais mieux fait d'aller, pardon, d'aller ici parce que là, il va me réattirer. Bon, cela dit, j'aurai mes autres persos qui vont jouer entre temps. Peut-être le Xel qui va faire un petit travail de placement. Là, c'est assez chaud quand même pour moi. L'upper mage, bon, il est bien amoché le l'upper mage. Hein. Je pourrais peut-être essayer de passer un truc. J'aurais vraiment aimé faire péter la synchro au tour d'avant en fait. Ça aurait été bien que je le fasse. L'upper qui fonce dans le tas, il a 7 PA, il y a quand même pas mal de runes qui sont posées là. Oh là là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec ça, il y a moyen que j'ai plus d'ennemis là. Hein. Rage tectonique. Répulsion runique, il me met du combien? J'étais à 3000 et quelques. Bon là, on a un. Ouais. Bon, les affichages se cumulent. Oh, il m'a fait un tour à plus de 2000 quand même, hein, c'est balèze. Ce que je vais faire, ça va être ramener le cadran ici. Voire même. Plus proche, genre comme ça. Voilà, là il y a vraiment tout le monde dedans. Hop. Bon, l'upper on s'en tape. Là je vais remettre tranquillement mon petit boost. La momif. Hop, et le ça on va le légumiser parce que le ça il m'énerve. Hop là, boum. Et avec le Xel, je vais me mettre ici pour bloquer un peu le passage dans la zone du cadran quand même. Et là je suis un peu inquiet pour mon ennemi, je vous avouerai. Et Nick en plus qui n'a que 23% de res neutre, hein, donc ça peut être dangereux sur le bouffe-tout là. Il me fait les manus de dégâts à chaque fois sur les caflips, ça c'est bien vu, hein, ça m'enlève du rogue, et puis surtout ça m'empêche de proc le vulbis, hein, parce que là je suis en vulbis sur les caflips, hein, pour ceux qui ont suivi un petit peu mon achat récent. Ah, je sais ce que je peux faire peut-être. 0 de tacle, 17 de tacle, si je fais un esprit félin, je vire les cas, et là j'ai une zone, ça c'est nickel. J'ai une zone et j'ai. Ah, j'ai plus le rugissement. Ça, c'est vraiment triste parce que ça aurait été parfait. Mais là, j'ai une super zone au réflexe. Je vais la prendre comme ça. Et bon, j'aurais voulu mettre un bond du félin sur le Xel. J'ai pas eu le temps. En tout cas, je viens tacler le ça, c'est le plus important. C'est pour ça que je suis allé ici. Hein. Je voulais mettre un bond du félin, puis j'ai vu que j'aurais pas le temps. Je me suis dit, bon, ok. Vaut mieux assurer le tour quand même. Donc là, Putain, il met du gros soin malgré le fait qu'il soit plutôt terre, apparemment. C'est pas mal son dragonnet là. Franchement, pas mal du tout, intéressant. Bon, du coup, c'était très bien l'esprit félin qui a remis mon ennemi un petit peu en retrait, là, ça lui permettra peut-être de survivre un petit peu. Je vais essayer d'aller chercher les zones sur le bouffe-tout, hein, un jour ou l'autre, alors je sais pas comment, je sais pas quand, mais il va falloir que je le fasse. On va venir mettre un stimulant là-haut. Moi, bon, il faut à tout prix que je vienne chercher du soin.
C'est quoi qui joue après? C'est l'upper, hein. Bon, je le tape. Je fais, je me suis déjà mis le mode régène. Ah non, je vais me le mettre. On va faire ça comme ça, double sélectif ici. Et je vais me barrer ici, voilà. Je me mets pas trop près d'un mur, faut pas me prendre des deux poux. C'est vraiment l'upper qui a l'air d'être le plus dangereux en face, mais il y a quand même les bouffetous là qui commencent à m'inquiéter. Il faut que je replace une synchro avec le Xel, parce que là, quand il y a plein d'invoques comme ça qui sont placés, une synchro qui pète, ça peut faire des sacrés dégâts. Le Xel qui m'a mis en pesanteur, alors comment je vais m'en sortir avec ça? On va voir. Alors la synchro, je vais la mettre ici, je pense que ce sera bien. Je vais également lâcher un petit rollback. On a déjà un premier boost comme ça qui vient sur la synchro. On a une belle zone là pour mettre du retrait. Avec une gélure, est-ce qu'on peut faire encore un téléfrag éventuellement? Ouais, c'est pas mal ça. Donc je vais mettre du retrait comme ça, une gélure. Hop, et je vais directement faire péter la synchro en fait, parce que je voudrais qu'il y ait un petit peu de ménage qui soit fait. Impossible de terminer le tour avec le Xel, hein. C'est pas de la mauvaise foi, mais il faut quand même que je réfléchisse un tout petit peu, c'est pas possible. Pourtant c'était pas un problème de lag là, mais vraiment, bah, quand on veut faire des choses un tout petit peu réfléchies, au bout d'un moment, voilà, c'est bien Dofus, mais c'est censé être un jeu de stratégie, pas un jeu de réflexe, hein. Donc quand vous jouez Xelor, ou quand vous jouez de l'héliotrope, du roublard et tout, je vois pas l'intérêt d'avoir un tour en 20 secondes, mais bon. Bref, bon, c'était quand même pas trop trop mal dans l'ensemble, mais bon, il me restait de quoi légumiser l'Ossa à fond, c'est un petit peu frustrant. Là, mon Eka qui se retrouve un petit peu embêté. Bon, alors à la limite, lui, ça ira, on va dire. Qu'est-ce que je peux faire avec lui? Je peux mettre un chaton ici et faire une Syngale. Hop! Et ça me permet d'aller chercher à nouveau la zone. C'est vraiment intéressant, les zones avec les Eka, là. Je vais même peut-être venir chercher le tacle. Mon Steam n'a pas bougé. Ouais, bah moi, j'ai fini avec combien? 7 ou 9 PA? C'est. J'ai fini avec 7 PA. C'est Dofus, t'inquiète. Jeu de réflexe, hein, il faut vraiment. Dofus, c'est simple, il faut avoir un PC ultra réactif et puis jouer le plus vite possible. Voilà, après réfléchir, bon, ça c'est en option, hein, voilà, vous connaissez. Il commence à y avoir beaucoup trop de bouffe-tout, là, ça va pas le faire. Hein. Bon, celui-là, il est le plus gros, il commence à avoir moins de points de vie. Je vais peut-être pouvoir le tuer un jour ou l'autre. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Et on va peut-être chercher le sélectif. Eh, c'est balèze ces gardiens là. Non, en fait, je vais plutôt faire une libée. On va essayer d'être un peu plus agressif cette fois-ci. Et d'aller chercher un corrompu par là-bas. Également le sélectif qui peut être intéressant là. Ouais, je vais faire un sélectif comme ça. Et peut-être. Ah, pourquoi le. Je rêve où le bouffetou il a pris du soin là. Je vais faire un mode solidarité sur le Xel. Voilà, comme ça, c'est pas trop mal. Là, je considère que Lenny il a passé le côté dangereux du truc. Et je verrai pour remettre des dégâts de zone, alors peut-être avec les K-Flip. Il m'inquiète cet upper match. C'est assez sympa son mode de jeu, c'est assez original. Des deux poux avec le gardien élémentaire qui se booste, et quand il commence à être bien boosté, lui, il rigole pas quand même. Hein. Ok. Mon cadran, il est où? Il est là. Ouais. Il bouffe tout là, il m'embête. Il me détacle pour 8 PA, faut falloir que j'arrive à le tuer, mais bon, malheureusement, avec mon Xel, ouais, ça me prend 6 PA, quoi. Ça va, c'est gérable. Heureusement que j'en ai 42 000. On va venir chercher les zones de retrait, comme ceci. On va mettre le contre. Cette fois-ci, je le fais maintenant. Je voulais le faire au tour d'avant, j'ai pas eu le temps. Hop, et le retrait comme ça. Ok, on est pas trop mal. Le retrait est passé en zone sur Upper Steamer. Steamer qui se détacle. Bon, et du coup, il a plus que 7 PA ici. Il a quand même un boost PA. Il y a du double boost PA en face, hein, quand même. Il y a Steamer au ça. Hein. Ça fait quand même des modes assez dangereux. Alors moi je dois me remettre mon trèfle. Bon bah alors là j'ai un magnifique rugissement. 400 puissance. Ah je pensais que c'était limité à 3 limites. Ah c'est 500 puissance le max, mais c'est énorme. C'est énorme. Encore une fois on va venir chercher les réflexes en zone. J'avais dit que je partais plutôt sur l'upper mage, mais je découpe un peu le steamer concrètement. On va venir mettre encore un petit coup comme ça. Ouais, je pourrais y aller sur le steamer hein, parce que lui il est plus fragile. Hein. Il y a 35% res air, il y a moins 7 récris. Mais je suis parti sur l'upper et l'upper a pris beaucoup d'héros donc je vais continuer dans cette optique. Lenny il commence à me faire flipper. Hein.
Malgré le retrait que je mets sur l'Osamodas, comme il y a en plus le boost PA du Steamer, il arrive quand même à placer pas mal d'invoques. Bon, j'ai toujours mon chaton qui est là, le chaton est bien pour mettre des petits dégâts à côté. À chaque fois, je vois qu'il est attentif à me déloc le Vulbis que j'ai sur les cages, je sais pas s'il l'a vu. C'est pas forcément le genre de truc qu'on a le réflexe de regarder, mais je crois qu'ils ont enlevé les affichages des... Ouais. Turquoise, pourpre, abyssal, ouais, on voit plus les trucs. J'ai un Vulbis dessus, hein, pour ceux qui me croient pas, vous pourrez regarder mes autres vidéos. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les mots de frayeur. Hop. Hop, hop, hop. Et tout simplement. Corrompu. Là, on va essayer de passer un truc assez vite. Si je peux réussir à terminer la peur, à partir de là, on est bon. Qu'est-ce qu'il joue après? C'est le Xel. Le Xel qui va pouvoir remettre une synchro au tour suivant, ce sera pas mal. La peur 13 PA. Oh, mais là, ouais. Il a de quoi me mettre des gros dopous. Glacier. Mais, enfin, je veux dire, en termes de placement, mais il n'y a pas assez de runes qui sont placées sur le terrain pour que ce soit intéressant. Je vais choisir de négliger le gardien élémentaire et d'essayer de tuer l'upper plutôt que d'essayer de clean son gardien là. Ah oui, on est quand même sur du dopu bien vénère là. J'ai vu un petit 1600 qui s'est baladé sur le Xel. 1600, 600, putain, la vache. C'est quand même bien vénère tout ça. Ok, donc. Là, qui c'est qui joue après? C'est le Steam. Je pense que je vais partir full retrait, hein, tout simplement. Hop. On va y aller comme ça. Lui, je le râle un coup. Toi, tu viens là. Retrait en zone. Hop. Mettre juste une petite momif. Et terminer ici pour tacler. Je prends le double émeraude. Le steamer 5 PA. Enfin, je le vois 5 PA en tout cas. Il y a toujours des bugs d'affichage, on sait jamais trop. Ok, on a l'air pas trop mal, si ce n'est que j'ai pas été ultra malin, puisque... Ouais, non, j'ai rien dit. J'allais dire, j'ai un petit peu éloigné les K-Flip et l'Upper Mage. Mais a priori, ça ira. Il leur met devant la gardienne. Alors, est-ce que j'ai une ligne de vue quelque part, là? Ah bah, il me la donne, merci. Merci, bon, j'aurais pu la choper quand même, mais ça m'arrange que ce soit comme ça. Et là, je pense que je vais pouvoir finir l'Upper. Par contre, moi, les dopus qui m'a mis, mais c'était un peu délirant, quand même, tout ça, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On vient chercher le toupet. Et en vrai, même avec ça, la tromperie, elle est à 4 PA. 4 PA, c'est R. Ah bah c'est le feu, ça. On va mettre ça comme ça. On va mettre la tromperie. Et qu'est-ce que je fais? Normalement, je peux mettre une single, ça devrait le terminer. Et je peux me rapprocher avec les PA qui me restent, c'est pas trop mal. Comme ça me va. Mais c'est pas fini, hein, parce que là, mon Xel, ouais, 2000 points de vie, ça va qu'il n'y a plus le gros bouffe-tout. Je me suis quand même fait bien éclater sur beaucoup de cibles. Ouais, avec les bouffe-tout qu'il a, le combat est loin d'être terminé. Hein. Franchement, il va falloir que j'arrive à faire un peu de ménage là-dedans maintenant. Bon, cela dit, le Steam, il s'est fait éclater par mon EK aussi. Hein. Il a pris les dégâts, l'érosion de zone au réflexe, là, c'était quand même assez intéressant. Il réinvoque l'upper. Ah, l'upper qui joue juste après Lenny, ouais. Ah, c'est pas... Ouais, il va peut-être essayer de me passer un kill, à mon avis, il peut le faire, hein. J'ai deux options, soit je pars... Enfin, j'ai trois options. Soit je pars full protection en essayant de pas crever, de pas perdre un perso, soit j'essaie de péter l'upper tout de suite. Soit j'essaie du coup de péter le steamer direct. Mais je suis quand même un petit peu dans l'expectative, là, il attire mon cadran, ça, ok. Il y a toujours mon chaton ici. Tout là, qu'est-ce qu'il nous fait? Ouais, bon, là ça va, j'encaisse les dégâts sur l'ennemi. Ceux qui tapent terre, ça va, c'est ceux qui tapent neutre qui me font stresser en termes de résistance. Hein. J'ai 47 terre donc ça passe, mais les 23 neutres ils font un peu mal. Ok, il est pas placé d'une manière où il peut me tacler, donc on va faire ça comme ça. Est-ce que j'ai une ligne de vue sur le Steam? Non, j'en ai pas ici. On va faire ça, on va faire galvanisant. On va venir chercher du soin ici. L'écart en termes de vita, ça va à peu près. Oh, j'aurais bien envie de mettre un mot de solidarité, mais même ça, c'est risqué. Je vais venir ici dans le glyphe, prendre du soin sur Lenny. Donc là, c'est le Xel hein, qui est le plus en danger. Est-ce qu'il part dessus? Ça m'étonnerait pas. Bon, c'est une bonne chose hein, que j'ai pu. Il réduit les dégâts de mon Eka Flip. Ah, il me l'avait peut-être fait ça tout à l'heure quand je me suis dit, ah, je tape que dalle. Oui, ce serait pas étonnant du tout. Donc là, il m'a mis moins 25% de rocks, hein, c'est assez embêtant.
Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'un rollback c'est utile? Pas tant que ça. Hein. Ouais, je vais mettre une mini synchro. J'aurais voulu du coup la booster la synchro comme on en a parlé là juste avant, mais c'est un luxe que je n'ai pas. On va faire ça comme ça. On va ramener le ça peut-être plus proche de l'Eka. Ah bah non, je suis en pesanteur, c'est bien ça. Donc du coup, c'est plutôt l'Eka qu'on va ramener. Mettre du retrait là-dessus. C'est dur 6 PA sur le Steam, encore une fois, hein, impossible de faire un tour correct avec le Xel, mais bon, quand il y a autant d'entités comme ça de placer, au bout d'un moment, il faut réfléchir plus que 10 secondes, quoi. Le Steamer, 5 PA. Puis quand on dit ça en Akama, leur réponse est « Ah oh bah vous avez quand je vais plus vite !» Ok. Ok, d'accord. Il soigne l'upper. Alors là, je pense que même avec le malus que j'ai sur les dégâts, il y a moyen quand même que je passe un truc. On va voir, je suis tour 9, faut que je dois me remettre le trèfle. Je suis taclé à 5 PA ici. Donc je vais me refaire la roue de la fortune. Je vais faire, je pense, une libé. Pour venir chercher les dégâts. L'infortune, la tromperie, elle est toujours à 4 PA, la tromperie. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que c'est un truc qui tape quand même sacrément fort. Et je vais mettre un coup d'héros quand même. Coup d'héros, une tromperie. Tra là là, ça pique. Ça pique, ça passe pas, mais on n'est pas loin de faire un truc. Hein. L'upper mage aussi qui est un petit peu dans le mal. Là, le ça, il a combien de bouffe-tout? Il a 4 bouffe-tout, un tofu. Ouais. Si j'arrive à aller ne serait-ce que mettre ouais, du sélectif sur l'Exol, ça te passera pas le kill, il faut que je puisse lui mettre un corrompu, idéalement, on va voir comment je peux faire ça. J'ai pas mon lapin, ce qui m'embête pour le mot de ralliement, et j'ai pas la portée de le faire sur le Xel ici, j'ai plus ma libé, à mon avis je vais être bloqué. Hein. Bouffe tout 1800 points de vie, piqûre motivante, frappe du crack. Il vient me tacler comme ça. Ouais bah là je vais rien faire du tout. Hein. Si ce n'est soigner un peu mon Eka, il faut que je m'occupe du Xel aussi. C'est dur, hein. Ah, il rapproche le Xel. Alors ça m'arrange. J'étais en train de me dire comment je vais réussir à soigner le Xel. Et là, il me met une super zone sélective. Alors ça c'est nickel. C'est nickel, mais c'est un peu hardcore quand même. Hein. Il va falloir que je pète le ça, là. Une fois que je le vais péter, il y aura tout qui va disparaître d'un coup avec les res qu'il a. Déjà, il n'avait pas beaucoup de res à la base. Ah si, je dis ça, mais non. Ah, non, il avait 49% R quand même, sachant que mon Ruxeur, il est R. Il a fallu faire avec. Mais là, il y a peut-être une chance. Je peux faire un mode frayeur comme ça, et là, venir chercher le magnifique sélectif. Le Xel, 2500. Ouais, bon, bah, je vais faire comme ça. Hein. Hop. Je vais faire une preuve sur Lenny, parce qu'il est quand même celui qui est le plus dans le mal pour l'instant. Hop. Et. Je vais me faire un mode régène, hein, hop. Et je reste encore une fois dans le glyphe de mon lapino, là, pour prendre le soin. Bon, ça va à peu près en termes de survie, mais là, encore un tour avec les bouffe-tout qui me tapent. Je vais voir avec les cas si j'arrive à faire un petit peu de ménage. Le Xel, je doute qu'il ait les dégâts pour terminer le steamer. Cela dit, ça peut peut-être se tester, hein, parce que bon, j'ai quand même un tout petit peu d'agi sur le Xel. Et là, sur 5%, piège élémentaire, ça, je sais pas ce que ça me fait un peu stresser. Ce serait bien aussi que j'arrive peut-être à remettre un cadran. Mais bon, il n'y a pas d'état téléfrac qui va avec. Est-ce que je peux le tuer lui? Ouais, je le tue. Ah, oh, c'est beau. C'est un peu inespéré, mais c'est pas mal. Hop, je mets aussi ça. Comme ça, il y a le peur qui prend le retrait. Et qu'est-ce que je vais venir faire ensuite? Peut-être bien placer du retrait sur l'Osamodas. Hein. Là, le steamer, il crève avec mon cadran. Il est en téléfrag. Donc je vais mettre un retrait sur l'Osa. Et je vais essayer de me. Ouais, je vais même revenir par là pour être plus proche de Lenny. Et là, le cadran, il pète le steamer, c'est nickel. Ensuite, l'Eka Flip qui va pouvoir peut-être péter l'upper. Ouais, j'ai même un super rugissement à me faire ici. Hop, alors upper ou plutôt j'y vais. Je vais peut-être y aller à fond sur l'Ossa, ce sera peut-être mieux. Ma tromperie, 3 PA, ok. Donc on va faire simplement là, tout mettre sur l'Ossa. Hop, ah, avec les malus de res qu'il a ici, là, on va s'amuser, clairement. Hop. Ouais, là, c'est pas mal. Hein. Hop, là. Voilà, bon, rien à faire avec le PA restant. Le problème dont je vous parlais, tous les sorts sont un coup pair. Hein.
coup perd de PA, donc c'est pas évident de faire des tours optimisés, mais bon, c'est quand même bien. Là, bon, bah, je m'en sors, mais c'était wow, c'était hardcore. Hein. Donc, petit mon ressenti sur les KR, bah, c'est bien quand vous jouez comme moi avec des tonnes de PA, avec le double boost, vous vous en sortez, parce que bon, j'ai quand même des moyens de faire des gros tours. Mais si vous jouez tout votre combat en 11, 11 PA, en gros, je pense que le mode R, les coûts en PA sont trop élevés des sorts pour faire des choses intéressantes. En plus de ça, la griffe de Syngale, elle vous génère le déplacement avant de mettre les dégâts, ce qui veut dire que vous tapez quasiment toujours en dégâts de mêlée avec, donc sur un mode dégâts à distance, c'est pas évident. En gros, le panel de sorts, il n'est pas spécialement adapté pour jouer sur un mode R dégâts à distance comme j'ai ici. Donc, et puis un mode R corps à corps, c'est pas terrible parce que le toupé, vous voyez, il tape que à distance. Donc, il n'y a pas une grosse. Enfin, j'ai envie de dire, le mode R, il a à lui tout seul une synergie qui est un petit peu bizarre, qui est un peu mauvaise. Donc, je pense que je partirais quand même plus sur le mode terre de manière générale. Hein. Et là, on a vu qu'il y avait quoi? Il y avait le réflexe qui était intéressant sur les dégâts de zone, mais concrètement, il y a la mésaventure hein, quand vous êtes sur un mode terre qui est bien plus dévastatrice. Et en plus de ça, maintenant que de toute façon il y a l'érosion avec le corollaire, on n'a pas spécialement besoin du réflexe. Donc le mode R, je pense que je vais peut-être pas le rejouer. Bon, si ça vous plaît, j'en ferai peut-être une vidéo de temps en temps avec. Mais je ne suis pas convaincu par le truc. On a quoi? On a la peur qui va jouer après là et qui peut peut-être me. Ouais, est-ce qu'il peut me tomber un perso? Je suis même pas sûr. Je vais faire avec Lenny. Bon, là je suis bien taclé. Je vais y aller sur le ménage de zone. Foudrement. On va y aller sur les sélectifs comme ça. Foudrement qui est un sort dont je me sers quand même beaucoup. Hein. La mise sur l'Ossa, il n'y a plus qu'à péter l'Ossa. Et bah dis donc, c'était intense comme colis, c'était vraiment difficile. Hein. C'est colis ouais, qui était serré, qui a été assez original sur le gameplay, donc je suis vraiment content de. Voilà, je suis très satisfait du combat. Et on a vu des choses originales. L'upper match, vraiment, regardez-moi ça, c'est nickel. Hein. Les dégâts qu'il met pour un PA, quoi. Regardez, bam! Oh la vache, bon c'est les EPR de poux, hein, vous me direz, c'est rien de nouveau, hein, ça n'existe pas depuis, depuis 2 jours, hein, mais c'est quand même solide. Hein. Hop, on va mettre la petite momif. Et bref, vous voyez avec quoi je m'en sors, quoi. Ouais, sans esquive, ouais, le manque d'esquive était quand même assez... Mais bon, cela dit, ils avaient beaucoup de PA, et avec toutes les invocations qu'il y avait, j'étais toujours taclé avec le Xel, j'ai pas pu faire beaucoup de travail avec le Xel, alors j'étais quand même bien embêté. Hein. Voilà, le petit, petit farm, je vous prépare des vidéos de farm aussi, donc là j'étais au 42, je vous ferai ça en vidéo assez vite. Bah écoutez, ouais, colis vraiment chouette. Bah, je vous laisse ici, hein, je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter, vous avez eu tous les commentaires en direct, mais c'était quand même bien difficile. Belle compo en face, qui manquait peut-être un petit peu de solidité, il y aurait eu des ivoires avec un peu d'esquive PA, peut-être que j'aurais pas pu gérer quoi. Bon voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires bien sûr, si ça vous a plu vous pouvez liker, partager, vous abonner. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, à bientôt.